Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau stream, nouveau jeu Tomb Raider Anniversary, ce qui est un peu logique. J'ai oublié un bouton, c'est moi. Attendez, c'est quoi ce bordel? Bah non, j'ai pas oublié un bouton, on dirait. Enfin, je mets jamais ce vidéo parce que sinon ça me sert trop. Ah non, ça sert beaucoup trop, ouais. Ah ouais. Ah, c'est juste qu'elle est vraiment pas serrée, ma cravate. Va l'enlever, en vrai, il est horrible, ce bouton. Malheur. Voilà, on est beaucoup mieux, là. Aujourd'hui, on commence un nouveau jeu. On commence Tomb Raider Anniversary. J'avais commencé à faire le Tomb Raider Under the World. Voilà, je vais faire dans la chronologie des choses. J'ai fait le Tomb Raider. Je suis pas du tout en train de regarder pour avoir le nom. Et le Tomb Raider. Ah, puis super, GTA 5 qui est lancé en fond. Bon, génial. J'ai fait le Tomb Raider Legend, sorti en 2006. Ensuite, il y a eu le Tomb Raider Anniversary sorti en 2007. Voilà, donc ça fêtait les 10 ans de Tomb Raider. Et ensuite, il y a Tomb Raider Underworld sorti en 2008. Le Legend, je l'avais fait, je l'avais kiffé. Par contre, le Underworld, je crois que j'avais ragé. Je sais plus si c'est parce qu'il y avait eu des bugs ou un souci technique ou je sais plus trop quoi. Bref. Donc. Je l'avais abandonné, et puis pendant les soldes de Noël, il était en réduc de ouf, donc j'ai foncé, je l'ai pris direct, le Tomb Raider Anniversary. Je me suis dit que j'allais le faire et que si j'étais chaud, ensuite je recommencerais les Underworld. Parce qu'honnêtement, je pense pas que ce soit des bugs. Je pense aussi que j'avais arraché parce que je trouvais pas, enfin bref. Des trucs à la con, même s'il y avait des bugs, hein, dans le Legend, il y avait eu un bug où je n'avais pas pu finir un boss parce que. Finir un boss parce que. Oui, il y avait un bug. Fallait pas déclencher avant le boss. Il y avait un truc qu'il fallait pas déclencher. Et moi, comme un con, je suis curieux. Je vois que je peux le sélectionner. Donc, je l'avais déclenché. Voilà. Et donc, ça m'avait presque niqué ma sauvegarde. Donc, du coup, j'avais dû refaire le niveau depuis le début. Bref, des petits trucs relous. Finalement, on avait réussi. Voilà. Mais bon, c'est quand même un peu honteux de mettre des jeux sur Steam qui sont pas patchés et buggés. Voilà, je pense que Steam devrait au moins mettre un message d'avertissement disant que le jeu est vieux, propice à des bugs ou je sais pas, un truc dans le genre, parce que si on regarde pas les commentaires, on est baisé, sachant qu'en plus les commentaires c'est pas trop fiable, parce que t'en as qui disent oui je suis sous Windows 10 ça fonctionne nickel, et il y en a d'autres qui disent oui je suis sous Windows 10 ça ne marche pas. Donc voilà, donc parfois ça peut être des trucs de carte graphique, etc., d'écran, de résolution, tout ça. C'est un peu relou, les vieux jeux. Enfin, c'est des vieux jeux, genre 2007, le jeu a. Si, il est vieux quand même, il a 14 ans. Ouais, si, c'est quand même vieux. Mais bon. Quand même. C'est quand même au 21e siècle. 2 ans avant la sortie de Windows 7. Bref. On passe sur des trucs techniques. Donc, on va le faire. Alors. Je fais le gars sûr avec ma manette en main, hein, qui n'est même pas allumée d'ailleurs, elle s'est éteinte. Mais je sais pas si je vais faire à la manette, honnêtement. Je sais pas si mes skills sont assez bons parce que on avait fait State of Mind à la manette, mais c'était un jeu tranquille. Voilà, il n'y avait pas trop de QTE, c'était parfait pour la manette. Mais est-ce que Tomb Raider Anniversary, qui est un jeu beaucoup plus du tac au tac, est-ce que je vais réussir à la manette alors que je sais toujours pas le nom des boutons, des 4 boutons qui sont derrière, hein. Faudrait que j'apprenne leur nom. Ici, on a quoi? On a. Ah bah, c'est dans ce sens-là, c'est pratique. Bah, je vois pas. Ah, LT, LB. Je suppose que c'est. Le L c'est pour left. Ouais, et right, droite. Donc, ok, donc RT. Donc ça c'est pour Twitter. RB. Ok. LT, LB. Et B c'est quoi B? Ça veut dire quoi les B et les T? J'en ai aucune idée. On verra. Que dire d'autre? Oui, on a eu des petites nouvelles de Life is Strange. Très heureux. Voilà. Bah tiens, d'ailleurs, en plus, on est en pleine musique de Life is Strange là. Mais je voudrais, avant qu'on commence le Tomb Raider, qu'on regarde le trailer ensemble. Incroyable trailer de ce que va donner
le Life is Strange des remasters. Et franchement, au début, j'étais sceptique, honnêtement. J'étais vraiment très sceptique. Parce que je me disais, ouais, un remaster, pourquoi faire? Le jeu date quand même de 2015, il est pas vieux. Et ils m'ont complètement fait changer d'avis. Et j'ai même hâte de le refaire, ça va être la bonne excuse pour pouvoir le refaire. Mais si je veux le refaire, il faut que je change de carte graphique impérativement. Je prie. Non, c'est vraiment true story, hein, je prie. Je prie parce que vraiment j'ai envie de changer de carte graphique là, parce que ça commence vraiment à m'handicaper. Et ça commence à être compliqué de pouvoir jouer à des jeux tels que Life is Strange et tout, dans des conditions correctes. Ma carte graphique commence à se faire vieille, je l'ai eu en 2018, cette carte graphique là. Ma machine date de 2019, mais cette carte graphique là, je l'avais eu en 2018. Et c'est vrai que la GTX 1050 Ti, bien qu'elle soit overclockée, je peux pas faire plus maintenant, ça y est, elle a atteint ses limites. Et je trouve qu'en vrai qu'elle tient très bien, surtout j'ai un écran 2K et un autre écran de 1080p qu'il faut gérer. Et honnêtement, j'ai envie de dire chapeau, parce qu'en vrai pour une carte graphique, c'était pas non plus début de gamme, hein. Début de gamme c'est les GT 730, 1030. Mais pour une carte graphique quand même qui était aux alentours des moins de 200€, dans les 200€, un peu moins, dans les trucs comme ça. Je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Bref. Le remaster, quand même, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, effectivement, il y avait peut-être besoin d'un remaster. Effectivement. Voilà, on y est, je mets en plein écran. Faudrait que je coupe la musique juste, voilà. Et ils ont même montré du gameplay, c'est ça qui est incroyable. Parce que c'est vrai qu'au début, ils n'avaient pas trop montré de gameplay, puis en plus, c'était pas fini, ils avaient montré quelques images, mais j'étais en mode, ouais, bon, des images, nanana, bon, pourquoi pas, 4K en plus maintenant. Parfait. Est-ce qu'il y a les traductions FR ? Non, que anglais, tant pis. Ah, ça se lance. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying $100. Welcome to the real world. Just cute? Hot. Then I might send you a special picture during class. Après, ce qui est dommage, c'est que ils font pas de comparaison entre 2015-2022. I need a serious time out in the bathroom. Voilà. Déjà, le visage, c'est... n'a rien à voir. Peut-être qu'il y a peut-être une vidéo qui montre des comparaisons. Je crois que j'ai vu beaucoup de vidéos de comparaisons. Bah là, tiens, juste là. Bah voilà, en plus, c'est... voilà, parfait. C'est plus ça que je voudrais, plutôt que de regarder le gameplay. I know it was your birthday last month. Voilà. Là, vous voyez, en plus, il y a des soucis de pic de couleur. Enfin, c'est un peu bizarre. Ou je sais pas si c'est YouTube qui fait ça. Je pense que c'est YouTube, quand même. Mais même au niveau des ombres, le départeur... C'est beaucoup plus pâteux ici. Que là, ça garde une touche pâteuse, mais beaucoup plus réaliste. Mais c'est ça que j'avais aimé aussi dans le Life is Strange 2015, ce que j'aime toujours, c'est ce côté un peu pâteux des textures. C'est unique, honnêtement. Et moi, je surkiffe, en vrai. L'ambiance, les musiques. Donc, ouais, les visages, ça n'a rien à voir. Hein, les visages, il y a beaucoup plus d'expression faciale, c'est beaucoup plus lisse. C'est beaucoup plus précis, hein, les sourcils, les cheveux aussi, voilà, même rien que le bonnet, voilà, et pareil en fond, voilà, elle est beaucoup plus floue, là, elle est beaucoup plus détaillée, les tatouages qui sont en 4K maintenant, fort heureusement, et les ombres aussi, voilà, ici il y a une sorte de lumière un peu bizarre. This was my real father's camera. Enfin, à l'époque en 2015, on disait rien, c'était la patte du truc. Hein. I want you to have it. That's so cool, you remembered my birthday. But I... Les expressions aussi de la bouche. Can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans le jeu. Honnêtement, avec des nouvelles expressions faciales et tout, parce que symbol of our union. C'est quelque chose. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that. Et les dents, les dents. C'est complètement autre chose. Hein. Là, les dents sont beaucoup plus détaillées que là, les dents, c'est... Ouais. Of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Les pleurs aussi. Now that we got that mushy shit. Ah oui, là, par contre, là, c'est la merde. La musique, là, non merci. Is that grass? You've been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Voilà, au niveau du dégradé, des cheveux, tout ça, c'est... Tell me the truth. That's an order. Les mains aussi, voilà. La main est beaucoup plus détaillée ici. Voilà, que là, c'est vrai que je me souviens que, par exemple, dans les Life is Strange de 2015, les mains me choquaient un peu, quand même. Déjà, à cette époque aussi, ça me choquait un peu, quand même, les mains, je trouvais. Mais ça faisait partie de la patte du jeu, je trouvais.
Mais quand même, là, c'est beaucoup mieux. Non, en vrai, ça les vaut. C'est juste dommage quand même qu'il faille les repayer. Enfin, on peut les avoir gratuitement. Enfin, gratuitement. En fait, si tu achètes l'édition de luxe de Life is Strange Recolors, tu les as. Mais je trouve ça quand même dommage de pas les offrir pour jeux pour ceux qui ont déjà les jeux de base, sachant que ce sont pas des jeux qui ont plus de 10 ans. Quand même. Donc, quand même, ça me la fout un peu mal, quoi, là, d'avoir Life is Strange tout court et Before the Storm. De devoir repayer pour les deux. Mais vu que je suis un gros Yankee, je le ferai. Voilà. Hein. Parce que honnêtement, il n'y a pas eu un. Je sais pas si ça a vraiment demandé beaucoup de taf. Mais. Voilà. Et je sais pas vraiment ce qu'apporte d'autre le remaster. Apparemment, ça apporte d'autres choses. Mais voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une comparaison un peu plus. Ah bah oui. David M. always helps me follow those he follows. Pas trop là. Est-ce qu'il y a des détails ici? Une classe et le remaster. Ah, c'est marrant. Si on m'avait pas dit que c'était l'original et le remaster, j'aurais confondu. Alors, ah, quoique le visage. Ouais. Après, j'espère que ces impressions sont les mêmes. Ah, ouais, là, le papier est plus détaillé. Le clavier aussi. C'est vrai. C'est un peu plus détaillé, plus net. Ouais, non, c'est vrai, les jeux de lumière, ouais, je sais pas. Mais ouais, non, au premier coup d'œil, j'aurais pu me tromper, par contre. Regardons la suite. C'est pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird. Après, c'est bizarre parce qu'ici, elle a l'air plus en colère. Qu'ici, elle a l'air plus. Team, the super heroes. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Les détails sont Did you beaucoup just mieux. rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the Et powers of est-ce que donc qu'est-ce qui est dit au niveau des commentaires? Ouais. Bref, c'était une partie que je voulais faire, voilà, qui me paraissait important à faire. Voilà, parce que je le vois bien. Bref, voili voilou, on va pouvoir, nous, de notre côté, commencer. Donc voilà, donc ce sera une bonne excuse de les refaire, je l'espère, si j'aurais changé de graphique. Voilà. Voilà, vous allez faire. Alors par contre, il faut que j'éteigne mon GTA, parce que je sais pas pourquoi. En fait, maintenant, quand j'éteins GTA, mon jeu est modé, hein, c'est peut-être ça, mais en gros, il y a eu un problème avec mon GTA, c'est-à-dire qu'en gros, je pouvais plus jouer parce qu'il y avait plus, enfin, le script hook n'était plus à jour, donc il y a eu pendant 2 semaines où je pouvais plus jouer quasiment, une semaine ou deux, je sais plus. Et puis, donc après, j'ai mis le script hook à jour, mais depuis, je n'arrive plus à éteindre mon jeu, c'est-à-dire quand je clique sur quitter, ça freeze déjà. Sur Steam, il était toujours écrit comme lancé. Et quand j'essaie de l'éteindre avec la croix, arrêté, rien ne se passe. Donc je suis obligé d'aller dans le gestionnaire des tâches à chaque fois. Et quand pareil, quand je veux y rejouer, ça me dit que le jeu est déjà lancé. Un peu relou, quand même. Mais après, bon, mon jeu est modé, donc bon. J'ai cherché aussi. Est-ce qu'il s'est éteint? J'ai pas l'impression. Ah si, c'est bon, il s'est éteint. Donc voilà, on va pouvoir commencer, nous, de notre côté, le Tomb Raider Anniversary. Je n'ai pas préparé la scène, par contre. C'est toujours sur State of Mind. Et puis, on va voir comment ça se passait. Je vais commencer par jouer avec. Voilà, elle va s'appeler. Voilà. Non, t'as pas envie. Donc, ce serait cool. En tout cas. C'est le Bluetooth sur Windows 10 est une catastrophe. Hein. On va se mettre d'accord. Je sais pas si c'est mieux sur Windows 11. J'ose l'espérer quand même en 2022. Ce serait pas mal. Quand même. Qu'enfin l'OS prenne bien en charge le Bluetooth. Parce que Windows 10, c'est vraiment la merde encore. Hein. Ça veut rien dire. En gros, il y a écrit couplé. Mais ça marche pas parce que c'est pas connecté. Enfin bref,
Il n'y a pas de bouton pour la connecter, la déconnecter. Voilà, c'est juste supprimer. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais supprimer. Ah, elle s'est éteinte. Ajouter un appareil, je le fais vite fait. Terry, baigne-toi. Ah, Xbox Wireless Control. Yes. Ça y est. Ah non, ça y est pas. Ça y est. Enfin. Tac. Jouer. On va venir au Sari setup. On va lancer le setup. De Tomb Raider Anniversary. Enable V-Sync, non. Enable Shadow, Water Effect. On met tout à fond. L'anti-niaise AI8, Fresh Rate 75Hz, 2K. On verra si on a des soucis. J'espère que non, quand même. J'espère l'anti-aliasing va pas trop. Non, ça devrait être good. On peut lancer, voilà. Juste, je vais rester sur OBS. Faut que je reste impérativement sur OBS. Ah, d'accord, le jeu s'est éteint. Original. Faire sauter, je le sens, vu que c'est un vieux jeu. Tomb Raider Anniversary, parfait, il est sélectionné. Oula. Is ok. He's okay. Oui, d'accord, j'ai compris. Ça a planté? C'est possible. Hein. Ouais, je pense que ça vient de planter. Génial. Ça commence bien. J'aurais dû commencer il y a déjà 40 minutes. C'est pas une blague. Je voulais commencer il y a 40 minutes, mais... on est quel jour aujourd'hui ? On est jeudi. On est jeudi soir. Donc normalement, je le fais ce soir. Enfin, j'aimerais beaucoup poncer ce soir. Oh non. Une catastrophe. Oh non. C'est la merde. Mon gestionnaire de tâches s'est mis sur l'écran principal. Comme un connard, je l'ai mis sur l'écran principal pour éteindre GTA V. Sauf que mon écran principal... Bah d'ailleurs, vous le voyez, hein, mais il se passe plus rien. J'ai du cul quand même, hein, ça démarre mal. Bon, j'ai connu meilleur quand même comme démarrage. Est-ce que je peux l'éteindre? Non. Putain. Complètement con. Je peux créer un autre bureau. Alors attendez. Ah. Peut-être qu'on a quelque chose. Attendez, j'ai quelque chose là. Gestionnaire de bureau. Comment on crée un autre bureau? Ah, nouveau bureau en haut. J'ai créé un autre bureau. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas non plus si c'est arrêté le stream d'ailleurs. Je sais même pas si je suis encore en stream. J'ai jamais fait ça. Hein. Ce que je fais là. Oula. C'est revenu sur le principal. Savoir la tech, mais. Ah oui, parce que le gestionnaire de tâches est déjà allumé ici, d'accord. Voilà. Bureau numéro 2. Gestionnaire des tâches. Ou je crois que j'ai la tech. Oh putain, cette tech incroyable. Oh, je suis un génie. Ouais, parfois je me fais des opérations des côtes. Non, mais en vrai, je suis plutôt... Je suis pas fier de moi, là. J'ai sauvé un stream, quand même. Là, hein. C'est parce que sinon, j'allais redémarrer mon ordinateur. Voilà, et je peux maintenant éteindre le bureau numéro 2. Alors, c'est dommage, vous voyez peut-être pas ce que j'ai fait, petit tips, si vous le voulez. Si ça fait comme moi que vous ne pouvez plus accéder à votre gestionnaire des tâches, c'est très simple. Deux méthodes. Soit au lieu de redémarrer le PC, vous déconnectez la session.
Ça, c'est une technique connue de tous. L'autre technique que je viens de faire, là, impro total, là, c'est d'ouvrir un deuxième bureau. Voilà, avec Windows, on peut faire ça. Vous savez, ils ont copié sur Mac. Bien sûr. Et du coup, vous ouvrez un deuxième bureau. Et du coup, sur celui-là, il n'y aura pas le jeu en plein écran. Enfin, bref. Surtout, c'est pour moi, pour que je la retienne. Bref, je relance le jeu. J'évite de tout faire planter, du coup. Et ça devrait bien se passer. Ah, quand même, je vais remettre le gestionnaire des tâches sur le deuxième écran. Voilà. Bouge pas. Parfait. C'est parti. Jouer. On va y arriver. On y est. Ah, je le sens bien, là. Ah, je le sens mal, là. Pourquoi ? En quel honneur cet écran est aussi long ? Ça a l'air un peu compliqué. C'est la résolution 2K peut-être. Flou. Explosion. Désolé, je peux pas gérer l'audio. La musique, on la met à combien ? C'est bien, 13. Voilà, 50. Je pense que c'est bon. On verra en jeu, sinon. Affichage, anti-freinage, ouais, profondeur de champ avec, fait plein écran, icône d'aide avec, reflet, renalin, caméra, commande 1, sensibilité souris. Je vais... Ah, c'est d'accord, ça la compte comme une manette de Xbox. Ah ouais, du coup, là, je viens de baiser les réglages. Y'avait quoi d'autre ? Bon, je vais laisser comme ça, parce que sinon, je vais faire de la merde. Langue française, sous-titre français. Mode d'affichage, parfait. 16:9. Format... Bon format d'image, hein. Moi, je pourrais passer en 4 tiers. Ouais, non. Ça fait très old school, mais nous, on veut du 16:9. Bien. On commence. On est parti. Profil défaut, ouais. J'ai pas commencé, hein, donc... Niveau de difficulté normal, saisir manuellement. C'est quoi ? Je sais pas. C'était sur 100 de base, je le laisse sur 100. On y va ? Voilà. 1996, Calcutta, en Inde. Ah, les Tomb Raider se passent en 96, là. Dis-moi, que faut-il faire pour attirer ton attention de la sorte ? Si c'est le genre d'attention que tu cherches, Larson, je t'assure, ne change rien. Une autre fois, peut-être. Je suis venu te présenter quelqu'un. Lara Croft, voici Jacqueline Natla, de Natla Technologies. Bonjour, mademoiselle Croft. Mon département de recherche se penche depuis peu sur l'étude de reliques antiques. Et je pense qu'avec la motivation adéquate, vous êtes à même de les trouver pour moi.
On vous aura mal renseigné. Je ne joue que pour le sport. C'est précisément ce qui m'amène, Miss Croft. Un jeu auquel vous avez déjà joué avec votre père. Vous avez l'un et l'autre recherché en vain le sion de l'Atlantide. Il vous aurait pourtant suffi de trouver la tombe de Qualopec. Vous avez trouvé Vilcabamba ? Une excursion au Pérou, ça vous tente ? Bien évidemment, elle accepte. Vilcabamba reste introuvable. Je m'entête à poursuivre dans une voie qui jusqu'à présent s'est révélée stérile. Je soupçonne Jenkins d'être à l'origine de cette sédition. Il refuse catégoriquement d'admettre que l'Atlantide puisse être à l'origine de toutes les civilisations connues. Peu à peu, je m'aperçois que seule Lara dispose de l'ouverture d'esprit indispensable pour pouvoir affronter cette vérité. Dead. Il va bien. Lo siento! No traje bastante cuerda! Ce n'est rien. Je trouverai un autre chemin. Ok. Ok, alors par contre, faut que je me fasse avec les contrôles. Ça, c'est quoi? C'est ça? D'accord. Je vais baisser encore un chouïa quand même, hein. Je trouve ça encore un peu fort. Les effets sonores ça va, les voix à la limite peut-être. On essaie comme ça. Bon, espace pour sauter, va te faire enculer. Oh, va tellement te faire enculer le jeu. Bon, c'est... Ah, ok, ça va. Mais putain, c'est pas possible. Sauter vers le mur pour que Lara attrape le rebord. Et tout, je déplace de gauche et droite pour que Lara se place. Appuyer sur E en rythme avec le mouvement de Lara. Mais... Ouais, mais c'est quoi ce tutoriel? E, ça fait quoi, E, du coup? Ah ouais, et du coup, ça pourrait être quoi ma touche, moi? Être Y peut-être. Hein, on va miser sur Y. C'est Y, voilà, parfait. Je me doutais bien que c'était Y. Comme pour la plupart des jeux. Ouch. Bon, on va voir. Pour l'instant, je commence avec la manette. Si vraiment que je vois que je galère. Sauter en arrière. Il les a souri. Le jeu, pitié, le jeu. Aïe, merde. Parfait. Elle doit avoir froid quand même, là. Appuyez sur A. C'est B, je suppose. Non, c'est X alors. Sauter, appuyez rapidement pour lancer le grappin. Ok. Oups. J'aimerais bien savoir comment on court. Visiblement, c'est pas la touche sur laquelle je viens d'appuyer. Ça, c'est pour viser, ok, pas mal. Ça, c'est pour tirer. Elle court de base. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bouton pour courir, sinon il leur a dit, ou ils le diront. Tant pis. Ah, ça veut dire quoi ça? Action à faire. Oh, ajustas. Mira. Ya llegamos. No sé cómo abrirlo. Hay una inscripción arriba de la puerta. Oh, estoy muy cansado. Podemos ir a la izquierda. Solo soy el guía. Oh, allí estás. Mira, ya llegamos. Donc, ça commence. Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Et je vois qu'il y a ça. Donc, je suppose. Voilà. Et parfait. Coup de grappin. Alors, c'est ça plus ça.
Parfait. Je suppose que c'est sur le rebord ici. Hop. Vu ça se passe lorsque vous vous balancez vers l'avant pour sauter plus loin. Parce que là c'était easy, plutôt simple. Comment il est mort? Puis elle s'en bat les couilles en plus, hein. Ça ne veut rien dire, ce qui vient de se passer. Le mec est mort, on sait même pas comment. Alors il a pas eu le temps de se faire bouffer par les loups, c'est trop chelou. Oula. C'est bien là comme ça. Appuyez sur mash tout en courant pour faire une roulade. Mash CD. Hein. La caméra est automatique. Ça fait pas bon ménage dans les jeux en dessous de 2010. Ici qu'il y a un rebord. Il y a aussi un là, on va voir. Ah vas-y, monte en haut. Prends le passage. Vous savez quand même ces chauves-souris Est-ce qu'il y a des trucs de secret ou je sais pas quoi là, des trucs, Je veux pas, hein. Ah, si. Hey, bingo. J'ai trouvé une trousse de soins. C'est bien ça. Ça commence bien. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Ouais, par contre la caméra, c'est ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans les petits coins. Appuyez longuement sur D pour verrouiller un ennemi, pour le relâcher. Ah oui, d'accord. Ah mais c'est des ballons de boule de ruche, c'est quoi ce bordel? Lorsque vous verrez un ennemi, appuyez sur la touche cible. Chez vous d'un rebord pour le saisir automatiquement. Et sur mage pour vous laisser tomber, ok. Let's go. Ah je dégaine hein, bah les couilles hein. Je dégaine. Oula, c'est de l'eau? Ah non, c'est pas de l'eau. Je sais pas si... Non, je pense que je peux pas... Ça se fait un... Oh, c'est de... What the fuck? Pas à grimper, à trier, hop, hein. Bon, dommage.
Est-ce qu'ici, il n'y aura pas quelque chose, hein? Bah bingo. Kit de premier secours. Bon, on va pas les utiliser tout de suite. Je sais même pas comment on les utilise, en plus. Et on commence par là. Merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Moyen. Ah, peut-être. Non, c'est trop beau. Ouais, tenter de m'agripper à ce rebord-ci. Ouais, mais avec la caméra de merde. Oula, on a pris cher. Compliqué. Pas la gripper, hein. Et moi, si ça continue comme ça, je vais mourir. Donc, bon, je vais me mettre bien comme ça. Oh yes. Si vous ratez un saut et que là... Ok. E, c'est Y. Ah oui, putain, ça va être chaud la manette, hein. Je suis clairement pas habitué, hein. Parfait. Encore se casser la gueule. Feinte. Let's go. Ça pue le piège, non? On le doute, je dégaine. Sauter vers la corde. Jérôme. Eh bien, écoutez, ils avaient dit quoi? On peut monter avec la corde? L'aventure commence bien. Non, en fait, c'est parce que je sais pas si ils avaient dit qu'il fallait qu'on monte lorsque vous êtes agrippé à une corde. Oh non, je... Ah d'accord, non, c'était juste ça. Super, nickel, homme. Du coup... Non mais je peux même pas essayer de... Ah putain, je sais même pas comment j'ai fait pour le rater. Peut-être c'est-à-dire que la caméra... Ah voilà, c'est comme ça. Je me disais bien qu'on pouvait aller tout en haut. Sauf que là non. Ouais, mais si je fais ça... Ouais, je suis obligé d'affronter le... Easy en vrai. Oh, puis il y a quelque chose ici là. Ok, d'abord je voudrais faire cette zone comme il se doit. Ça vient de se refermer. Kalos. Kalos Koulos.
je sais pas, non, peut-être que c'est pas par là, hein. Bon, on va voir, attends, je suis curieux. Ah que non, ça, ça se referme tout seul. Ouais, donc... Je sais pas trop où aller, là, d'abord, en premier. J'aurais peur de louper des choses. J'ai loupé là, ça, la corde là, je sais pas comment je vais faire. Ah non, c'est par là, hein. Ouais, et ouais. Donc on va aller de l'autre côté. Pour voir ce qu'il y a, tout simplement. Ok, je vois où on est. Ouais, mais du coup, ouais, je peux pas faire. Et au moins, j'ai un artefact. Heureux? Non. Clairement pas. Cet effort pour ça, non. Terrible. En fait, ce qui est aussi très bizarre, c'est que je peux bouger la caméra, voilà, avec ce joystick-ci, mais elle bougera toute seule, de toute façon, même avec Lara. Voilà, si je tourne, elle tourne aussi, donc en fait, c'est horrible. Je sais pas. Bon, c'est un vieux jeu, hein, voilà. Hein, mais... Tout de même, c'est un défaut. Voilà, ça n'en reste pas moins un défaut. Hein. On va voir comment on va s'en sortir. Appuyez longuement sur espace pour sauter plus loin. Maintenant, c'est la touche de déplacement. Puis appuyez pour sauter maintenant. Oula, ouais, c'était un peu short. Là, 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 là. On y va en freestyle. On y va en freestyle. Comment stylé, hein. Bingo. Premier coup. Lara consigne ses aventures en son journal. Vous pouvez consulter à partir de l'objet inventaire. Attendez. D'accord. On doit pouvoir ouvrir cette porte. Merci. C'était... Wow. Bon, on a eu beaucoup de luck, hein, quand même. Hein. Un loup bugué, c'est pas tous les jours. Hein. Ok. Sait-on jamais. Un autre pour là. Là, il y a un truc de parcours là. J'ai envie quand même d'abord d'aller, ouais, là. Là où il faut, quoi. Bon, tant qu'on n'a pas fait ça, la porte n'est pas ouverte. Il y a un truc pour s'accrocher, ça.
bah voilà, de toute façon il faut aller de l'autre côté. Oh non, il y a un timer. C'est-à-dire qu'il y a un timer. Et que ça va se remonter. Et qu'il faut pas que je me foire du coup. Oh, fais chier, un autre coup. Ah, et puis celui-là il est. Limite, c'est des screamers le bordel. Oh non, il a l'air beaucoup plus compliqué. Non. Donc c'est là. Oh non, ça c'est une erreur qui va me. Non, plus par là. Vite. Bingo. Putain, quand même, ils étaient forts hein, à l'époque. Hein. Chapeau. Hein. Des systèmes de sécurité comme ça, on n'en fait plus aujourd'hui. Hein. Oula. Ah. Relique. Ah, on a loupé une relique. On n'a que un artefact sur 3. 4 provisions, 14 victimes. On l'a fait en 18 minutes. D'accord, donc c'est la fin du premier niveau. Oui. Ouais, sauvegarde. Nom de la partie, sauvegarde 1, oui. C'est génial. D'accord. C'est complètement différent du coup de. Appuyer sur souris D pour. Oh, nique ta mère. Lorsque vous verrouillez un ennemi. J'ai rien compris. Voilà. Je ne pourrais pas le refaire du coup. C'est génial. Et pourtant ça a l'air bien utile. Donc fais chier. Lara peut s'accrocher à des colonnes, sauter vers la colonne. Et tomber. Ah, bonjour monsieur. T'es sûr. Ouais. De ce côté, et bah super. Oh non, par là. Cette colonne, non, derrière. Est-ce que je suis bien. Ah oui, alors. Voilà, parfait. Ça gère. La cité de Vilcabamba. Waouh, c'est beau. La musique elle peut s'arrêter hein, du coup hein. J'entends un bruit qui me plaît pas des masses. D'accord. Je suppose qu'il faut aller dedans. Hein. Une idée. Une idée. Chelou la caméra. Hein. Elle va nous dire, elle va dire, il faut une clé pour ouvrir la porte. Hein, c'est ça, hein. Je ferais bien de jeter un coup d'œil. Ah non, même pas.
D'accord. Bah, je suis tenté d'aller dans l'eau. Appuyez les touches de déplacement pendant que j'ai appuyé sur E. Oh, je vais mourir. Ouais, alors par contre, là on va remonter. Hein. Ah, comme j'ai compris les contrôles, on y retourne. J'ai pris, mais je l'ai pris. Et remonte là, hein, parce que tu vas crever. Allez, tu vas crever. On plonge. Oh, quelle conne. J'arrive pas à remonter. Je de merde. Ouh. Mec, c'est que ça commence déjà à rager. Oh non. Non, c'est chelou les contrôles là, je les comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Ah non, les contrôles sont infâmes. Ah, faut juste que j'appuie sur A, un autre. C'est bizarre. C'est short, hein. Bien se placer en amont, parce que sinon t'es dans la D. Faut que j'appuie, je sais pas, pour aller plus vite, non, je sais jamais. Waouh. Ah ouais, hein. Oula. Parfait, un point de passage. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? J'étais pas loin en voulant tirer tout à l'heure. C'est grand. Il y a pompe, on en a pas, c'est génial. Merci beaucoup. Une clé, ah, let's go, on a la clé. On se barre là. Je suppose qu'il y a d'autres trucs, hein. Je vois plein de trucs pour sauter et tout, mais honnêtement, flemme, hein. Je compte pas faire un 100%, de toute façon, je pourrais pas faire un 100%. Ah, quand même un point de passage ici. Ah non, non, c'est normal. C'est ma direction. Je sais pas pourquoi tout ça dans la tête.
note à moi-même, hein, ne jamais tomber. Perfect. Putain, en 2007, il y avait déjà les effets de mouiller. Pas mal. La clé qui est énorme. Hein. Une autre énigme. C'est un jeu à énigme. On a encore de l'eau. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Pitié, pas de l'eau, pas de l'eau, pas de l'eau, pas de l'eau, pas de l'eau. Nique ta mère. Ah, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller dans l'eau en fin de compte. Il a l'air d'avoir rien dans l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau? Plonger, mais. Moi, il n'en y a rien. Hein. Bien. Une perte de temps monumentale. Les choses bien ici. Je dégaine tout le temps mon arme maintenant, hein. Je prends aucun risque. C'est vrai que j'ai des soins, je devrais l'utiliser peut-être. Attention, hein. Je rigole pas, hein. Pitié. Je m'aurais fait chier de devoir tout recommencer. Oula. Je peux s'accrocher au poteau qui est là. C'est le but de la manœuvre. Super. Et on va de ce côté maintenant. Pareil donc. Alors c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans l'eau là. C'est bizarre quand même d'avoir mis un gros truc d'eau et qu'il n'y a rien. Ou alors je suis aveugle. Donc tant pis. Honnêtement, tant pis. Ok. C'est chaud là. Hein. Encore des chauves-souris ou un truc à la con aussi là. Merde, je l'avais pas vu. Chier. Et let's go. Nickel. Je suis con. Bah ouais, on pourrait peut-être utiliser un petit, voilà. Bon, ouais, j'espère. Ça lag ? Incroyable.
mais non, il y a un truc là en bas que je vais revenir avec lui. Je comprends pas. Ça me donne des indications, je connais pas, je sais pas. Je reste planté là. Oui, du coup, je l'ai récupéré, mais est-ce qu'il y a rien là-bas? Il y a rien ici, machin. Rien. Dommage. Dommage aussi, là. Je commence à être fatigué, là. Ok, parfait. Non, du coup, c'est par là. Lara peut prendre appui au sommet de structure verticale très étroite, sauter vers la colonne pour vous y percher. Vous aurez tous le déplacement dans la direction voulue, puis sauter. Je saute. Perfect. Ah, il y a des chutes de FPS là, bizarre. Quand même. Un truc à prendre, non? J'ai pas rêvé, il y a un truc qui brillait. Et... voilà. J'en veux un d'ici en fait, moi. Quoique. Non, si je viens de là, on est d'accord. On va prendre quand même un kit parce que. Non. 35 minutes. Ah non, c'est. Oui, c'est plus. Enfin, 10 minutes. Okay. Oui. Je sauvegarde une ou. Bon, je sauvegarde une, oui. Je comprends pas. Surtout là, elle ne sert plus là maintenant. Là, hein. Elle a décidé de faire grève. Ouais, là j'ai besoin d'un gros kit. Là, voilà. Allez hop, c'est claqué. Le premier. Vous avez trouvé un rouillage. Super. Des cartouches pour une arme que je n'ai pas encore. J'adore. Je
pas où je vais, hein. Je fais complètement n'importe quoi. Ah oui, j'aurais pu sauter, voilà. Oh là là, c'est grand. Puis lendemain sur D pour verrouiller. Ok. Ah, c'est stylé, du coup il est emporté par. C'est bien fait. Ah, attendez, il y a eu quoi? Ah oui, mais c'est pas pour maintenant. Non, par là. Et maintenant ça roule. Je sais plus ce que c'était. Ouais, c'était ça, voilà. Donc je saute. Pas trop non plus, quand même. Pas sûr, hein, à chaque fois que je vais la tuer là depuis que ça s'est effondré la première fois là. Et je vais essayer de le prendre. Note à moi-même, ne pas tomber. Ouais, faut qu'on reste calme. Parce que moi je le connais, voilà, je commence à perdre le calme. Par contre, je vais rebaisser les sons du jeu. C'est fort quand même, hein. Très très fort, hein. Ah, surtout les sons sont pas non plus incroyables, hein, on va être honnête. Ah, c'est du 2007 quoi, hein. Ok. Oui, un point de passage mes couilles. Là, hop. Donc ceci. Ensuite par là. Ah, vers ici. Ensuite comme ceci. Ensuite, tac, on fait le tournicotis. Voilà. Elle était forte en gymnase. Sport, je veux dire là. Oui, enfin, sport, gymnase. C'est la même gangrène, hein. Ok, maintenant je trouve vers où aller. Putain, j'ai l'impression d'être Lara quand elle parle elle-même là dans cette bouquin là. Maintenant je dois trouver où aller. Ah, mais je l'ai déjà eu celui-là. Ah putain, j'avais pas vu. C'est des surfaces qui peuvent se prendre. Ah, je suis un. Je suis un connard.
ils ont respawn là. Incroyable. Casser les couilles. Je peux pas aller me choper là depuis là. Ouais non, je peux pas les choper, donc vaut mieux pas que je me foire. Sinon je vais devoir les affronter. Et ça ferait chier hein. Pas les choper d'ici là. Attention, ils ont l'air un peu buggés là. Donc, tant mieux. Putain, faut pas que je me foire. Je crois que je prenne mon temps. En fait, c'est ça mon problème. Je vais trop vite. Parce que je veux aller vite. Je veux faire des enchaînements. Je veux que ça soit fluide. Mais bah, du coup, c'est clairement pas fluide quoi ce fait là. Le strict contraire, inverse. Bon, jusqu'ici c'était facile. Non, il va falloir faire attention. Pitié, faites que je me foire pas. Maintenant. Non, j'étais bien en fait. Voilà. Alléluia. Vite, je t'en apprends de passage, s'il vous plaît. Là, c'est tout en bas, là. Oh, l'ironie de la chose. Elle est incroyable. Qualité. Ah, ils ont fini les spawns, d'accord. Donc même les lourds quittent. Hein. D'accord, alors je vais reprendre l'oxygène du coup, parce que je savais pas par où fallait aller. Maintenant que je sais, on va faire ça bien. C'est parti. Je sais pas si y a un moyen d'aller plus vite dans l'eau. Là, non, pas les murs invisibles. Oh, je vais crever. Oh, c'est terminé. Ah oui, et j'ai pas l'impression d'avoir eu un point de passage. Attends, mais c'est tout là? Genre, y'a rien d'autre. Ah, ici j'avais pas vu. L'espace pour sortir en arrière. On dirait que j'ai compris, hein. Thank you.
Déjà. D'accord. On n'avait pas y récupéré deux. Ah. I got it. Merde. Merde, c'est pour ça que je voulais faire. Il va falloir que je mette l'écrou là aussi. Ouais, je vais. Le nom exact. Un bordel. Oh non. Bon, allez, go. Super. Ah, du coup, tac. Ouh là 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 là, d'accord. Ouais, je vois, je vois, je vois. Je vois le truc. Trop tôt. Ok. Je vais être honnête, j'ai pas de nickel. Ah ouais, ouais. Je vais peut-être prendre par là, non? Ce qui me fait rire, c'est que c'est un ragdoll. Chaque fois qu'elle crève. Enfin, c'est drôle. Entre guillemets, hein. Elle meurt du coup. Oula, pourquoi il y a une musique. Des loups en bas, ça. Bon, là, faut que je sois patient. Voilà, tu peux y aller. Ah, mais j'ai pas d'autre rouage. Oh non, il m'en manque un. Mais quel endroit j'ai pas fait? Sa mère. Je vais doucer par là, hein, mais je vois pas où il peut être. Hein. Si, il faut qu'on retourne en arrière. Là, c'est quoi là? Et c'est un truc qu'on n'a pas fait là. C'est une... Il y a toute une zone là. Avec une corde et tout. Je vois pas de bordure en fait. Ah ouais, là. Alors je vais essayer de faire un long saut. Ouais, et puis du coup ça m'arrange pas du tout. Ouais, bien sûr. Honnêtement je vais regarder hein, parce que je vois qu'il est déjà presque 4h du matin et j'ai envie de finir ça. Donc on va faire ça bien hein.
mais Tomb Raider Anniversary. Voilà, relâche-toi. Hein. Ah, c'est un jeu qui dure environ 6 heures. Ah, il est court. La solution. Merde, non, ça. Putain, les mecs à leur casque là, ils sont éclatés là. Bah, je sais pas si je la tente directement avec la corde ou si je m'agrippe là. Oh putain. Ah. Et maintenant, on fait le basculement. Je me balance. Je me disais bien, il y avait quelque chose quand même ici. Hein. Je l'avais vu au tout début, mais je sais pas, j'avais oublié. Que je peux. Non. Je peux tout simplement lâcher. Hein. Oui, voilà. D'autant moins con. Hein. Je me disais bien qu'il y avait un truc à faire par là en vrai. Et donc, techniquement, le brouillage est par là. Arrête de viser. Hop, une petite seconde. On va bien passer là-dessus. Et merde, putain, avec son cul en gros plan, c'est génial ça, la meilleure des morts.
Ah, sur place, je vois pas. Ah, d'accord, il est. Bon. Un. Deux. Trois. Parfait. Passage. Rime avec. Toi, pis Clara. Merde, non, pas comme ça. Bon, je vais voir ce qu'il y a là-bas, mais j'ai peur de pas pouvoir remonter. Et honnêtement, si pour des trucs annexes, je m'en veux pas un petit peu, mais gentiment, hein. Mais quand même. Ah, c'est des trucs de jump. Bon, on va voir. D'abord, je fais ça là-bas. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir le rouage. Hein. Dès que je l'ai, je me casse. De toute façon, je vais devoir affronter l'ours, ça, je le sais. J'aimerais bien finir ce niveau avant de. Ah, d'accord. Un truc là-bas. Ouais, c'est pour. Ah, du soin. Ouais, j'étais pas non, hein. Du coup, oui, ça veut dire que c'est par là. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Et du coup, je vois pas trop. Ouais, ça glisse, donc je suppose que ouais, faut faire vite. Hein. Il y a beaucoup de choses par là quand même, c'est bien. Que ça soit pas mis autant. Ah, j'en ai trop de chargeurs, je peux plus les récup. C'est bizarre que ce soit pas mis autant en évidence quand même. Un peu trop sur le côté là. Parfait. On va voir comment ça va se passer. Hein. Pas ça, Lara. Pitié. Pitié, Lara. C'est la merde là dans ce moment de panique là, la con là. Bon, tout ça pour un rouage là, casse les couilles en vrai. Hein. Eh non, mais. Prends, hein, j'en prends pas les couilles. À la moindre menace, ça se prend une cartouche dans la gueule.
commence à avoir la tech. Oh, nique ta mère. Ah, t'as vu ce que c'est là, hein. Je sais jamais ce que je dois faire, ça me casse un peu les couilles, mais bon. Et donc le truc des rouages, du coup, ça servait à quoi, d'accord? C'était un leurre. Pas comme ça. Oh, chèdre. Pardon, c'est méchant. J'espère que ça veut dire que c'est la fin du niveau. Ça va, il laisse pas mal de temps pour le QTE là. Oh non. Un boss. La chose de férocité et de santé de certains ennemis se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran. Les tirs répétés font grimper la joueuse. Aucun dégât, quoi. Ah putain, je crois que je le sais. Attends, arrête de le viser là. Je crois qu'il y a un truc avec ces pics là. Oh, il s'est fait du dégât là. Et merde, c'est pas par là. Ouais, non, je vais crever. Non, attends, je crève. Comme ça, je recommence. Voilà. Je crois que j'ai la technique. Faut que sa vélocité soit à fond et qu'il me fonce vers moi sur les pics. Ça, c'est fait mal. Les pics sont là. C'est fait mal, mais pas du tout, hein. Putain, j'ai la réticule comme ça. Pauvre Lara, putain, ça dans la vraie vie, tu dois être tellement crevé à la fin. Merde, 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 merde. Je vais crever. Bon, je vais regarder comment on le bat, hein, tout simplement. Hein. Je vais me faire chier. Merde.
Merde, merde, merde. J'ai avancé. Je voulais pas et j'ai avancé. Comment elle lui a fait du dégât là? Ok, j'ai. Il doit foncer sur les pics. C'est ce que je me disais. Bon, du coup, là, faut qu'il me tue, hein. Plus, c'est quoi l'arme là-bas là? Quoi? D'accord, c'est des mines de je ne sais quoi. Bien. Je le tente. Je ne ferai pas ce soir, hein. J'en sais rien. Parce que je sais que ça me casse bien les couilles. Et je comprends rien. Je comprends rien. Comment on fait les QTE de con de merde? Oh, ça me casse juste les couilles là. Ah bah bien sûr. Ouh, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment pour la suite du jeu. Ah non, ouais. C'est horrible. Miraculeusement, je l'ai raté. Ça va être très long si je dois le faire comme ça. Il va pas sur le truc là, il va pas sur les piques. Hein. Je vais prendre de la santé.
Je comprends pas le truc du QTE là, la con là, fils de pute. C'est mon dernier truc de soin. Hein. Voilà. C'est quoi? Hop, je vais le bouffer celui-là. C'est... Voilà. On va sauvegarder. Regarde ce que j'ai dans mon inventaire. Ouais, allez, on sauvegarde. Je comprends pas la mécanique. En fait, des croix qui s'affichent en bas, je les ai pas. C'est de la merde. C'est tout, en fait. Y'a même pas d'explication à avoir. C'est de la merde. Ouais, je suis un peu salé là, ouais. Je vais même plus rager. Je fais des essais, puis on voit. Hein. Attends, que je sais quelque chose. Il va bien venir vers moi. Je vois pas. Je comprends pas ce que je dois faire. Je vais regarder sur internet. Ça va pas faire mon feu, hein, cette histoire. Attends, donc là, le mec, le monstre est énervé. Il a une indication, il a des indications comme moi, j'ai pas. Je vais essayer à la souris. Je vais faire plusieurs essais, puis on verra au bout d'un moment si j'arrive. Je vais taper sur internet système de jeu Tomb Raider Anniversary, parce que je comprends pas. Système. Anniversary.
Anniversary. Anniversary. C'est con, j'aime bien les Tomb Raider, mais c'est vrai que ceux-là sont... Encore celui de Legend, j'avais kiffé. Mais là, les deux autres, là, je trouve ça juste dur bêtement et inutilement. Et en fait, je me rends compte juste que c'est peut-être pas mon type de jeu, tout simplement. Et que je préfère juste les récents. Et que les vieux comme ça, en fait, ne me... Ça ne correspond pas, quoi. Tomb Raider, Anniversary. Anniversary. Donc... Ah d'accord, donc apparemment le Tomb Raider anniversaire, en fait c'est un remake du premier Tomb Raider paru en 96. C'est pour ça que ça date de 1996 au début, là, sur la date. Bon, je vais essayer les trucs et puis tant pis, on verra. Ouais, je prends là. Ha!
Freeman avec le bullet time. Hein. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ouais, faut que je fasse aller tout là-bas. Ah, puis maintenant les deux dés. De soin, là. C'est rien de chaud. Pas sur un niveau de vie là. J'espère qu'il n'y aura pas un QTE. Ah, j'ai failli faire une connerie. De merde. Putain, et dire que c'est le premier boss du jeu. Je suis mal barré. Non, en vrai, je pense que les bullet time, c'est super simple. Mais je sais pas pourquoi je les foire tous. J'allais trop vite, sûrement un truc dans le genre. Bref. Il y a même une heure et demie qu'on est dessus. Ah, puis pour la pièce, tout ça pour la pièce. Bon, allez, on fait la pièce. Banco. On fait la pièce. Bonheur. Par contre, c'est par où ? Peut-être dans l'eau, alors. Alors voilà, je finis ça, je mets l'écrou, et puis j'espère que c'est la fin du niveau, sinon tant pis, hein, moi je m'arrête là. Voilà, j'essaierai de commencer plus tôt demain, voilà. Et ouais, je sais pas si je vais pouvoir le continuer honnêtement, parce que j'espère que ce soit pas malheureusement mon type de jeu. Donc, non. Oh non, c'est la mort parce qu'elle est conne, Clara. Lara, t'es conne, salope.
Je m'énerve un peu là. Ouais, je comprends. Ça se comprend. J'ai l'écrou ou pas? Non, j'ai pas l'écrou, super. Contrôles sont catastrophiques. Non mais elle va. En fait elle va. Elle met trop de temps à aller en profondeur. Je sais quoi le problème. Touche rien, d'accord. Perfect, perfect. Par là, voilà. Jusque là, c'est plutôt fluide, j'aime bien. J'ai eu un torticolis il y a 2 semaines, mais j'ai mal au cou une nouvelle fois, c'est chiant. Normalement, faut changer de registre. Hein. Par contre, j'espère que c'est par là, quoi. On a du soin, on en récupère. Ouais, ils ont tout prévu, hein. Ils sont malins, ces développeurs. Pas tout le temps, en vrai. Mais on peut faire du temps, oui. J'espère que c'est par là. Oh yes. Oh, c'est mauvais signe du coup quand il y a du soin. Maintenant je vais devenir parano, dès que je vais voir du soin je vais être en mode... Oh. Faut que je regarde où je dois aller par là du coup. Ouais, après il y a les pics et tout, que par là, ça. Allez, go par là. Me risquer, je vais aller au plus vite. Je
retour dans les profondeurs. Parce que j'en ai déjà un. Ouais, mais du coup, en fait, ça va pas du tout marcher. Ah, si. C'est pas par là, hein. Je vais peut-être, mais ah putain, si c'est par là. Je peux pas essayer de choper la rambarde d'ici là. Ah, je me fais chier. Voilà, et là, là, c'est là-bas, tout au bout, là. Derrière, ouais. Bon, bah là, ça me casse les couilles. Enfin, regardez sur internet, hein. Je suis honnête, hein, je le dis, là. Ça me les brise. Oui, il y a un point inimaginable. Je reprends. Tac, 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 tac. La caméra est géniale. Toujours aux petits oignons. Lâche. Ça va bien se passer, on va finir par les avoir, c'est trop là. Voilà. On commence à speedrun un peu la chose là. Ouais, hein, on sent un ras-le-bol, hein, c'est logique. Tac, 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 tac. L'ours. Oh non, je l'avais oublié, l'ours. Aussi il a des spawns, ce qui serait vraiment une bonne idée de la part des développeurs.
Perfect. Et on met le rouage. C'était fait exprès. Ah, croyez-moi, je le dis. Même pas de lourd, rien. Hein. Juste pour le plaisir. Voilà, c'est la seule musique d'action qu'il y aura dans tout le jeu, donc ils la mettent à balle. Hein. Ouais, logique. Hein. Que j'avais raté. Tac, 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 tac. La mère est un peu partie en couille. J'en ai chié pour ce rouage, hein. Ça a intérêt à en valoir la peine. Hein. Ah d'accord, je vois. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas que je saute? Ah. Est-ce qu'il reste longtemps pour nous? Je regarde. On va voir. Peut-être que... Ah bah voilà. Relique, aucune, artefact, aucun. Provision 10, victime 14. 1h30. Ok. Ah oui. Ah super. Bah moi je vais m'arrêter là. Ouais. 1h30, ça va être 2h de live, mais ça compte pas tellement. Voilà, tombeau de nanana. Bien. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Très sportif, hein. On va pas se mentir, on va être honnête, c'est très... Faut être accroché. Bon, voilà, je rage un peu. Pour l'instant, c'est mignon, en vrai. Mais en fait, je suis beaucoup attaché à Tomb Raider, à Lara Croft, tout ça. Parce que déjà, c'est l'histoire du jeu vidéo, c'est un pionnier. Et ce jeu. Et surtout aussi, je l'aime bien parce que je trouve ça cool et tout. Mais c'est vrai que le Legend, j'avais bien aimé, par exemple, le côté centre-ville du jeu. D'ailleurs, les films, dans les films Tomb Raider, sauf le dernier de 2018, qui est pas terrible d'ailleurs, pour l'avoir regardé, mais dans les films Tomb Raider de 2003, là, avec Angelina Jolie, c'est pas que de l'artefact, il y a aussi de la ville et tout. Enfin, que de l'artefact de l'expédition comme ça, quoi. Il y a aussi de la ville et tout. Donc voilà, donc je trouve ça un peu dommage de cantonner que Lara Croft là-dedans. C'est bien aussi, je trouve, de mélanger des niveaux. Bon, après, on est qu'au premier niveau, hein,
Mais j'ai peur qu'il n'y en ait pas. Je vais regarder vite fait YouTube. Lara Croft. Lara. Non, plutôt Tomb Raider. Venir. Ça va. Game de commentary. Je vais juste voir s'il y a un peu de ville. Ah si, il y a de la ville. Ah, où c'est... Attends, putain, c'est fort. Ça va me spoiler le jeu juste. Voilà, qui a un gros niveau d'une demi-heure. Au final, il n'y a pas beaucoup. Il y a d'avoir un gros boss final aussi, ça va être sympa. A l'air facile, mais je sais pas. On s'est juste en train de me spoiler en fait. Bon, on verra.
On verra si je le continue ou pas. Pour l'instant, là, en l'heure actuelle, je n'ai pas envie de le continuer demain, logiquement. Mais voilà, peut-être que demain, je n'aurai plus envie. Voilà. Et peut-être que du coup, on commencera à faire Cry 3. Après faire Cry 3, j'aimerais bien me le garder pour la semaine pro. On verra. On verra. J'essaierai quand même de le continuer, ce Tomb Raider, demain. Si jamais je galère trop et que juste ça me plaît pas, j'arrêterai là. Tant pis, voilà, fin de chantier. Voilà, je l'ai eu pour pas cher, donc en vrai, tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comment on dirait, une vieille pub des années 90, début 2000. Bien! En tout cas, c'était bien cool. Merci à tous. Demain, du coup.